Alors oui, donc je vais vous parler du mouvement islamique en Israël. Alors effectivement, c'est un mouvement dont on parle moins. Un peu plus fort, d'accord. Donc c'est un mouvement dont on parle moins, effectivement. On parle le plus souvent du Hamas. Et là, on a eu une intervention aussi sur le djihad islamique. Donc le mouvement islamique en Israël existe et il s'inscrit véritablement dans la singularité qui est celle des citoyens arabes ou des Palestiniens en Israël. C'est-à-dire à savoir autant dans les opportunités, mais aussi les contraintes très spécifiques que ce contexte israélien leur offre à ces islamistes en Israël, et dans la localisation d'une lutte islamo-nationaliste. Alors là, je reprends les termes qui ont été employés ce matin et également cet après-midi, puisque véritablement le mouvement islamique en Israël peut être défini comme un mouvement islamo-nationaliste qui articule à la fois un discours islamique transnational, donc basé sur les valeurs de l'islam, sur la protection des lieux saints, mais également un ancrage identitaire palestinien qui est central pour ces islamistes israéliens et qui se manifeste notamment dans la protection des terres, donc des terres des Palestiniens d'Israël, dans l'importance de la mémoire palestinienne, la mémoire islamique, les deux étant articulés, avec une focalisation très particulière sur Jérusalem aujourd'hui, disons depuis une quinzaine d'années. Alors je vais revenir très brièvement sur ces Palestiniens d'Israël. Qui sont-ils? Ils représentent aujourd'hui 20% de la population israélienne. Après la création de l'État d'Israël en 1948, les 160 000 Palestiniens qui sont restés sur leur terre, qui sont restés chez eux, se sont retrouvés au sein du jeune État israélien au sortir de la guerre. Ils ont tout de suite obtenu la citoyenneté israélienne, donc dès le début des années 50. Ils ont été placés sous administration militaire jusqu'en 1966, donc étroitement contrôlés dans les différentes régions arabes où ils se trouvaient. Donc les régions arabes sont celles de la Galilée, la région centrale qu'on appelle du Triangle, donc les villes et villages limitrophes et proches de la ligne verte, et également dans le Negev, et là, c'est la population bédouine du Negev. Cette population palestinienne d'Israël a fait l'objet d'un processus de contrôle par les autorités israéliennes qui les ont immédiatement considérées comme une cinquième colonne de la lutte palestinienne, traitées comme des citoyens de seconde zone. Ils ont fait l'objet d'un triple processus de contrôle. Alors pourquoi triple? D'abord par un processus de cooptation politique, donc de cooptation de leurs propres élites locales politiques, notamment par les partis sionistes comme le Mapai, qui était l'ancêtre du Parti travailliste. Donc pendant très longtemps, le Mapai et le Parti travailliste, pour chaque élection, présentaient des listes affiliées, qu'on appelait des listes satellites, qui étaient pour la population arabe. Donc il n'y avait pas de liste commune avec la population arabe, mais des listes qui étaient affiliées et uniquement représentées pour les citoyens arabes. Deuxième processus de contrôle a été la fragmentation interne de cette population palestinienne. Il y a d'abord eu la création d'un statut spécifique pour la population druze, donc aujourd'hui qui a un statut très spécifique en Israël. Fragmentation aussi entre les différentes régions, notamment au regard de la population bédouine du Negev, qui pendant très longtemps a été traitée différemment des autres Palestiniens d'Israël, qui a également été cooptée dans les partis sionistes et qui, progressivement et plus tardivement que les autres, a créé ses propres partis politiques et a connu aussi ce processus de revendication palestinienne, d'identification à la cause palestinienne. Aujourd'hui, les Bédouins du Negev ne se définissent pas seulement comme des Bédouins, mais véritablement comme des Bédouins palestiniens faisant partie intégrante de la lutte, de la cause et du peuple palestinien. Le troisième processus a été celui de la dépendance économique, puisque immédiatement, cette population arabe a été soumise à la dépendance économique à l'égard d'Israël, de son industrie et de sa structuration économique. Donc, ils ont été strictement surveillés, ils ont été restreints dans leurs déplacements. Donc, jusqu'en 1966, c'était dans leurs déplacements entre les différentes régions d'Israël et également restreints dans leurs déplacements dans les autres régions au Proche-Orient. Donc très surveillés, les partis politiques arabes étaient limités. Le principal parti politique arabe en Israël jusque dans les années 80 était le Parti communiste. Alain Gresh en a parlé ce matin. Effectivement, pendant très longtemps, c'est le Parti communiste israélo-arabe en Israël qui a représenté les Arabes israéliens. Progressivement, le parti a de plus en plus représenté les voix des Arabes. Donc aujourd'hui, il se définit toujours comme israélo-arabe avec des députés juifs et des députés arabes, mais il est devenu très largement un parti exclusivement arabe et représentant les Palestiniens d'Israël.
Des partis nationalistes se sont créés aussi à partir des années 60, notamment le mouvement Al-Ard, qui a été interdit en 1965, fondé plutôt sur une idéologie pan-arabe et d'héritage nassérien, et qui a donc très tôt été contraint par les autorités israéliennes. À la même époque, donc dans les années 60, le tissu associatif est aussi très faible. Il y a peu d'organisations arabes en Israël, toujours à cause de ce gouvernement militaire. Donc il reste quelques organisations caritatives, essentiellement sur le registre confessionnel et notamment des associations chrétiennes. Bien évidemment, les relations avec les autres Palestiniens, donc ceux qui se trouvent sous autorité jordanienne, en Cisjordanie, égyptienne à Gaza, mais également avec les autres Palestiniens réfugiés en Syrie, au Liban ou en Jordanie, sont largement interrompues. Donc disons que de 1949 à 1967, jusqu'à la fin du gouvernement militaire, cette population palestinienne est étroitement contrôlée et isolée des autres parties de la population palestinienne. Le véritable changement, le tournant pour ces Palestiniens d'Israël, se situe en 67. Pourquoi 67 ? Parce que c'est l'occupation des territoires palestiniens et que c'est véritablement à partir de là que se renouent les contacts entre les différentes partie du peuple palestinien, et donc y compris entre ceux qui se situent en Israël et donc ceux qui vont se situer, qui se trouvent dans les territoires occupés de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem. Et puis intervient aussi à la même époque, donc à partir des années 60, l'institutionnalisation grandissante de la lutte nationale palestinienne en exil, qui trouve écho chez les Palestiniens d'Israël et qui se raccroche progressivement aussi au discours de l'OLP. Donc l'identification des Palestiniens d'Israël à cette lutte nationale palestinienne prend de l'ampleur, tandis qu'au même moment, les autorités israéliennes vont accentuer leur politique d'expropriation des terres arabes, notamment en Galilée. Ce mécontentement des Palestiniens de 48 trouve écho dans la lutte palestinienne et s'y raccroche, et donc commence progressivement à s'organiser. Et au même moment, l'OLP s'intéresse aussi à leur sort. Donc, notamment en 1972, le Conseil national palestinien vote une résolution qui appelle, je cite, « au soutien de la lutte des Palestiniens d'Israël pour restaurer leur identité arabe et pour renforcer leur lien avec le reste du peuple palestinien ». Donc, à partir de là, on commence à sortir de l'idée de suspicion, l'idée de trahison aussi qui a longtemps pesé sur les Palestiniens d'Israël, ceux qui étaient restés dans cet État israélien, qui en étaient devenus... citoyens. À partir de là, beaucoup d'observateurs, des universitaires, notamment israéliens, ont identifié un processus de palestinisation de ces Arabes israéliens. En réalité, ce n'est pas une palestinisation, mais disons que c'est une expression publique, politique, qui se formalise et qui s'organise autour de cette identité palestinienne, qui jusque-là avait été muselée, avait été contrôlée par les autorités israéliennes. Beaucoup de spécialistes des questions arabes qui travaillaient pour le gouvernement israélien pensaient avoir contenu cette identité palestinienne jusque dans les années 70. Et bien évidemment, il a fallu constater à partir de cette époque que non, cette population palestinienne commençait véritablement à assumer dans l'espace public son identité et à se réclamer partie intégrante du peuple et de la cause palestinienne. Donc, les Arabes qui étaient affiliés aux partis sionistes commencent aussi à se positionner sur la question palestinienne. Ils commencent à rompre avec les partis sionistes dans lesquels ils étaient membres ou affiliés. Le parti communiste aussi progressivement s'autonomise de la tutelle juive et affiche de plus en plus sa proximité avec l'OLP, donc avec la lutte nationale palestinienne. Il y a des contacts étroits qui sont entretenus entre les différents militants, entre les dirigeants du Parti communiste israélien, qu'on appelait à l'époque le Raqqa, et avec l'OLP. Il y a la création du mouvement nationaliste aussi, Abna el Balad, pour ceux qui connaissent ce mouvement nationaliste arabe israélien, qui est créé en 1973 et qui, lui, revendique ouvertement son soutien et son affiliation à l'OLP. Au même moment, c'est un phénomène proprement israélien qui se produit, c'est que le système politique israélien, à partir des années 70, se transforme. Le Likoud gagne les élections de 77 et consacre donc la fin du monopole travailliste. Cette ouverture politique va véritablement changer la donne aussi du côté des Arabes israéliens. Le bipartisme et puis ensuite le multipartisme en Israël a permis l'émergence de différentes voies politiques, de différentes voies qui étaient jusque-là marginalisées. Ça concerne
autant l'expression politique des séfarades, des classes qui étaient marginalisées, et également l'expression des Arabes israéliens qui se structurent. Donc c'est aussi le système politique israélien, le système à la proportionnelle, qui permet l'organisation politique des Arabes israéliens. Les frustrations qui ont été aussi provoquées par l'expropriation des terres arabes ont conduit au soulèvement de la Journée de la Terre en 1976. C'est aussi une date marquante dans la mobilisation des Palestiniens d'Israël autour de leurs terres, et la terre, effectivement, des Palestiniens d'Israël continue aujourd'hui de cristalliser cette lutte. Donc, à partir de là, se mettent en place des actions de protestation, de manifestation, des grèves, des pétitions qui vont se routiniser et devenir aujourd'hui un mode d'organisation standard pour les Palestiniens d'Israël. Et c'est aussi à partir de cette époque, donc de la fin des années 70, que naissent les premières associations, premières organisations arabes en Galilée, mais également dans le Negev, et toujours autour de cette question de la protection des terres. À partir des années 80, et disons si on doit identifier une décennie, c'est 80-90, on observe une pluralisation des structures politiques arabes dans la population palestinienne d'Israël. Il n'y a plus seulement le parti communiste, mais il y a d'autres partis qui se créent. Donc cette décennie 80 est marquée par l'avènement d'une nouvelle génération aussi de militants arabes palestiniens d'Israël qui sont nés en Israël. Nouvelle génération politique d'affiliation tant communiste, nationaliste, mais également islamique, et donc je vais venir à ce mouvement islamique. Il s'agit d'une classe plutôt moyenne, éduquée, diplômée des universités israéliennes, qui s'engage dans les mouvements politiques arabes, qui commencent véritablement à circonscrire leur action au seul territoire israélien et à développer des modes d'action propres au système politique israélien. Donc l'offre politique arabe se diversifie. Il y a par exemple la liste progressive pour la paix qui est créée en 1984 et qui affiche elle aussi son appartenance, son soutien à l'OLP. À partir de là, le Conseil national palestinien va intervenir à plusieurs reprises pour demander aux différentes forces arabes d'Israël de s'unir pour se présenter aux élections parlementaires. Donc à chaque élection, l'OLP intervient auprès des différents partis arabes pour leur demander de s'unir, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus seulement les listes communistes, les listes nationalistes ou islamiques, mais qu'il y ait un mouvement commun pour peser davantage à la Knesset. Ces appels sont toujours restés lettres mortes, c'est-à-dire que la référence au soutien de l'OLP a toujours été centrale comme un marqueur identitaire et un marqueur politique pour ces partis arabes. Néanmoins, les partis arabes israéliens n'ont jamais été subordonnés aux décisions de l'OLP, donc jamais subordonnés aux injonctions des instances dirigeantes palestiniennes. Et au même moment, les listes qui sont affiliées au Parti travailliste disparaissent totalement de la scène politique israélienne. Ce qu'on appelait les modérés arabes des partis sionistes réclament eux aussi le droit à l'autodétermination des Palestiniens des territoires occupés et à la création d'un État palestinien indépendant. Donc on observe à partir de la fin des années 80 un double mouvement. À la fois, ces partis assument publiquement et politiquement une identité palestinienne, ce qui était totalement muselé et interdit jusque-là, une indépendance par rapport à l'OLP, donc pas de subordination par rapport à l'OLP. L'OLP elle-même n'ayant jamais cherché véritablement à intégrer ces partis arabes dans la lutte. Et également l'intégration totale dans le jeu politique israélien. Et la concrétisation s'est faite dans les années 90, au milieu des années 90, lorsque le parti Al-Tajammou, donc Balad, c'est le parti d'Azmi Bichara, est créé. Et à partir de là, tous les partis arabes vont reprendre ce slogan, c'est-à-dire demander à ce qu'Israël devienne un État démocratique de tous ses citoyens, intégrant à égalité les citoyens juifs et arabes. Donc on le voit, c'est un registre politique qui est très spécifique aux Palestiniens d'Israël. Nous sommes des Palestiniens, mais nous sommes aussi de facto des citoyens israéliens. Et ce qu'il s'agit de réclamer aujourd'hui, c'est une égalité de droit et de fait dans cet État d'Israël. Alors c'est aussi à ce moment-là, dans les années 80, que le mouvement islamique fait son apparition en Israël. Alors d'abord, il s'est constitué sur un réseau étendu d'activités caritatives et religieuses, donc vraiment sur son activité sociale. Ensuite, par ses victoires aux municipales de 1989 et ensuite par sa participation au jeu politique national israélien. Donc de manière assez comparable en fait à ce qu'on observe ailleurs dans les autres mouvements islamiques d'héritage frériste, c'est cette base sociale qui ensuite s'est transformée
en action politique, à la fois locale et nationale, qui est observable. Ce mouvement islamique a bénéficié, dès les années 70, de l'arrivée de prédicateurs palestiniens dans les régions arabes d'Israël. C'est pour ça que je reviens sur ce marqueur et ce tournant de 67, parce qu'effectivement, l'occupation des territoires a permis aussi ce contact entre les différents Palestiniens et donc ce voyage d'élites, de militants politiques, mais également de prédicateurs. Donc, dans un sens, c'est l'arrivée de ces prédicateurs côté israélien, et dans l'autre sens, c'est le départ de jeunes Palestiniens d'Israël, musulmans, qui s'inscrit dans les instituts islamiques de Cisjordanie pour suivre des études en religion, donc en islam, dans les universités d'Hébron, de Naplouse ou à Jérusalem. Et ce fut notamment le cas du fondateur du mouvement islamique en Israël, Abdallah Nemat Darwish, qui a étudié à Naplouse. Donc le mouvement, lui, a très rapidement rompu avec l'idéologie djihadiste et l'appel à la violence au milieu des années 80. Donc là, pour le coup, le schéma est un peu inverse. Ils ont commencé par une activité associative et caritative. Il y avait également une veine djihadiste, une idéologie djihadiste qui était exprimée dans l'organisation Usrat al-Jihad. Et à partir des années 80, le mouvement rompt totalement avec la violence pour ne devenir qu'un mouvement à la fois social et politique. Donc, effectivement, cette organisation Usrat al-Jihad a très vite été interdite. Elle appelait à l'établissement d'un État islamique en Palestine, alors qu'aujourd'hui, le mouvement islamique ne réclame plus l'installation d'un État islamique en Palestine. Et là aussi, on retrouve un petit peu ce qui a été dit ce matin et cet après-midi. Il n'y a pas véritablement de réflexion, en tout cas publique, sur la nature de l'État, qui plus est en Israël, parce qu'on se trouve dans le contexte d'un État israélien à majorité juive. Donc, le but n'est absolument pas de changer la nature de l'État. Le but est davantage d'œuvrer au sein de cette population palestinienne, de la ramener à la religion musulmane, au respect des valeurs de l'islam, et de jouer davantage donc, en interne au sein de la population palestinienne, sans réelle réflexion sur ce que deviendrait cet État. Donc on est plutôt à une logique infra. Donc à partir de là, lorsque le mouvement rompt avec l'appel au djihad, le mouvement islamique s'inscrit dans le consensus qui est général chez les Palestiniens d'Israël et qui appelle au soutien de la lutte palestinienne et à la reconnaissance des citoyens arabes comme minorité en Israël. Donc ce mouvement islamique israélien suit pleinement la logique qui est à l'œuvre chez les Palestiniens d'Israël et qui est toujours cette logique aujourd'hui, c'est-à-dire celle du pragmatisme, c'est-à-dire celle d'une citoyenneté israélienne qui doit se conjuguer et s'articuler avec l'appartenance au peuple palestinien. Donc c'est bien dans ce contexte spécifique que se comprend le mouvement islamique en Israël. Ce mouvement a d'abord été établi par des chers qui étaient diplômés d'institutions religieuses dans les territoires, donc c'est ce que j'ai dit, pour ensuite développer, donc au-delà de son réseau éducatif et caritatif, de véritables structures politiques. Le mouvement continue aujourd'hui de se focaliser sur la protection des terres et sur la protection des sites religieux, notamment à Jérusalem. Et je vais revenir là-dessus, puisque la branche nord de ce mouvement islamique concentre aujourd'hui toute son attention sur la ville de Jérusalem. Le mouvement islamique est représenté au niveau local, donc dans les différentes localités, municipalités arabes en Israël. Et la branche sud du mouvement islamique participe aux élections nationales et est représentée aujourd'hui à la Knesset. Alors, branche sud et branche nord, parce qu'effectivement, en 1996, il y a eu une scission au sein du mouvement islamique israélien. Deux branches ont émergé. Il y a ce qu'on appelle la branche sud, qui est communément appelée ou qualifiée plutôt comme branche sud modérée du mouvement, qui était dirigée par Abdelmalik Dahamcheh, puis par Ibrahim Sassour, originaire de Kfar Qassem. Cette branche sud va accepter les règles du jeu politique israélien et participe aux élections parlementaires. La branche nord qui fait scission, elle est qualifiée de branche nord radicale. Elle est dirigée aujourd'hui par le cher Raed Salah, qui est originaire d'Oum El Fahem et qui, eux, refusent le jeu politique national israélien, boycottent les élections nationales. Et donc ces deux villes, de Kfar Qassem et de Oum El Fahem, symbolisent aujourd'hui cette divergence, toujours cette divergence, entre la branche sud et la branche nord du mouvement. Alors, qu'est-ce qui les distingue et qu'est-ce qui les rapproche, ces deux branches du mouvement islamique en Israël ? Les fondements idéologiques de ces deux branches sont similaires. En revanche, ce sont les stratégies de mobilisation qui sont distinctes. Alors, les deux branches sont représentées au sein du Haut Comité de suivi des affaires arabes, qui est une sorte d'instance représentative des Palestiniens d'Israël.
Les deux branches participent à la vie politique locale, puisque Cheikh Raed Salah a été maire d'Oum El Fahem de 89 à 2001. Les deux branches jouissent d'un réseau caritatif très étendu, du nord au sud, donc à la fois en Galilée, dans la région centrale du Triangle, mais également dans le Néguev. Donc chaque branche a ses propres associations, ses propres institutions, et également des centres éducatifs qui sont très bien implantés. Cet ancrage qui est local participe du succès du mouvement islamique. Et je noterai essentiellement dans le Néguev, où aujourd'hui la plupart des villages arabes sont dirigés par soit des indépendants, soit par des bédouins proches du mouvement islamique. Alors à première vue, il n'est pas évident de distinguer l'ancrage nord ou l'ancrage sud de ces structures, mais en réalité, sur place, chacun sait très bien quelle est la labellisation des institutions ou des activités qui sont organisées souvent en parallèle, mais également le plus souvent en concurrence. Donc les deux branches du mouvement islamique sont aussi clairement en concurrence dans leurs activités à la fois caritatives, sociales et politiques. Ce mouvement islamique, quelle que soit la branche, dispose d'un réseau qui est très bien hiérarchisé, qui est très bien implanté dans toutes les régions arabes du pays. En 1996 a été créée l'Union des associations islamiques. Et pour les chiffres dont je dispose en 1999, cette Union des associations islamiques supervisait le travail d'une centaine d'associations qui étaient toutes enregistrées légalement, donc auprès du ministère de l'Intérieur israélien. À partir de 2001, la branche nord du mouvement a également formalisé la création d'autres structures associatives, notamment d'associations de femmes, qui de la même manière sont très bien organisées, c'est-à-dire que pour la branche nord, ces associations de femmes ont leur bureau central à Oum El Fahem et ensuite disposent de représentations régionales, puis locales et puis par quartier dans les différentes villes où elles se trouvent. Donc le mouvement se distingue également par ses activités culturelles, par des activités sportives, activités religieuses. Ils organisent des festivals, des fêtes, des camps d'été, des rassemblements politiques. Et puis bien évidemment par le travail de bienfaisance, donc typiquement frériste. Le mouvement islamique a également développé de véritables services parallèles à l'État israélien, comme des centres médicaux, et par exemple une clinique à Oum El Fahem, le projet de construction d'un grand hôpital, des garderies pour enfants, des centres d'accueil pour personnes âgées, handicapées, et également pour la réintégration des drogués. Donc on trouve aussi dans les différentes villes des différentes régions arabes. Donc ce mouvement islamique, mouvement parti, allie des actions de terrain et également des manifestations publiques. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que le quadrillage du pays qui a été poursuivi par le mouvement islamique est assez comparable à ce qu'avaient fait les communistes par le passé et en leur temps. Ça a été cité ce matin et je l'ai dit également tout à l'heure. Pendant très longtemps, il y avait uniquement le mouvement communiste qui représentait les Arabes israéliens. Et ce parti communiste était organisé à la fois politiquement, mais également socialement par un ensemble de structures dans les différentes villes arabes. Le mouvement islamique a très largement suivi cette tradition communiste dans la population palestinienne d'Israël. À la différence que le parti communiste se centralisait exclusivement dans les grandes villes, les grandes localités, notamment de Galilée, laissant tomber totalement la population bédouine du Néguev, alors que le mouvement islamique est aussi allé s'implanter là où les communistes n'étaient pas, donc dans les zones rurales et notamment au sein de la population bédouine. Donc le mouvement islamique aujourd'hui est organisé autour d'un conglomérat d'institutions qui sont plus ou moins indépendantes et qui interviennent dans tous les domaines, notamment en concurrence avec l'État israélien, qui est peu enclin à s'investir dans les régions arabes et dans les villes arabes. Donc le mouvement islamique a vraiment profité de ce vide qui a été laissé par un acteur étatique qui était absent de ces régions. Le développement du mouvement islamique s'est fait, je l'ai dit, par l'intermédiaire de ses actions caritatives et de dawah, on en a parlé ce matin, donc par ses activités de prédication. Et les mosquées continuent d'être toujours des lieux privilégiés de mobilisation politique, notamment chez les bédouins, dans la population bédouine du Néguev. J'en reparle parce que là, c'est assez symptomatique de ce qui s'est passé. On a vu fleurir des mosquées dans la population bédouine depuis une vingtaine d'années et arriver donc du coup aussi cet acteur islamique dans ces villages bédouins. Les imams en Israël sont pour beaucoup employés par l'État israélien, c'est-à-dire par les services israéliens du culte. Mais certains sont également directement salariés par le mouvement islamique. Donc pour prendre l'exemple d'une ville qui est Kfar Qassem,
Il y a sept imams, en tout cas l'an dernier, il y avait sept imams actifs dans la ville. Trois recevaient un salaire de l'État, donc directement salariés par l'État israélien, et quatre autres étaient salariés par le mouvement islamique qui, lui, se finance par des donations privées, locales ou étrangères. Alors, néanmoins, la différence majeure entre les deux branches, je l'ai un petit peu dit, c'est que la branche sud, elle, joue le jeu de la représentation politique nationale et pas la branche nord. Cette branche sud participe aux élections à la Knesset et elle est représentée aujourd'hui par quatre députés. Donc, quand le mouvement islamique participe aux élections parlementaires, il s'allie à un autre parti, qui est le Parti démocratique arabe. Ils font liste commune sur la liste arabe unie et sont représentés à la Knesset. Donc, aujourd'hui, ils ont quatre députés. Les communistes ont également quatre députés. Et les nationalistes du Tajammou, donc créés par Hazmi Bichara, ont, eux, trois députés. Donc, pour vous montrer à quel point le mouvement islamique, y compris à l'échelle nationale, est représenté aujourd'hui à égal avec les communistes. Tous les partis qui sont présents à la Knesset, donc y compris les islamistes, s'accordent et sont bien obligés de toute façon de s'accorder autour de la réclamation de l'égalité entre les juifs et arabes, doivent également accepter ce consensus politique un peu mou sur la solution de deux États. Ils réclament la reconnaissance des citoyens arabes comme minorité nationale, l'abolition du caractère juif de l'État d'Israël et l'affirmation de leur pleine identité palestinienne. Ils refusent tous la conscription, donc le service militaire pour les Palestiniens d'Israël, et ils défendent tous la création d'un État palestinien indépendant, bien évidemment, avec Jérusalem-Est pour capitale. Donc tous les partis qui sont à la Knesset doivent de toute façon se conformer volontairement à une grille de lecture qui serait consensuelle et acceptée par les autorités israéliennes. Donc les islamistes qui participent au jeu politique doivent également s'y soumettre. Alors c'est justement là la complexité du positionnement politique et identitaire des Palestiniens d'Israël et de leurs représentants politiques. Donc tout en affirmant leurs différences nationales, donc palestiniennes, ce sont des partis qui acceptent leur pleine insertion dans le jeu politique israélien. Et c'est bien ce processus de communautarisation des citoyens arabes qui repose sur cette combinaison entre une activation identitaire qui est différenciée et une insertion complète dans le jeu politique israélien. Donc en ce sens, les islamistes qui participent au jeu politique national entrent eux aussi dans cette difficile conciliation entre protestation et négociation avec l'État d'Israël, jouant de facto le jeu de la représentativité et de la légitimité de l'État israélien. Alors, l'autre fait marquant du mouvement islamique et essentiellement de sa branche nord, c'est l'investissement aujourd'hui sur Jérusalem. Alors, les Palestiniens de Jérusalem, donc là, j'imagine que je ne vous apprends rien, ont un statut particulier à Jérusalem, n'ont pas le même statut que les Palestiniens d'Israël, qui, eux, sont citoyens arabes israéliens, donc qui ont les papiers israéliens. Dès 1989, le mouvement islamique en Israël a fondé l'association Al-Aqsa, dont l'objectif était d'assurer à la fois l'entretien de la mosquée, la défense de la mosquée, mais également de revigorer l'attachement des Palestiniens d'Israël à Al-Aqsa. Donc, véritablement, essayer de revenir sur Jérusalem, de marquer sa présence et son empreinte sur la ville de Jérusalem. Et Jérusalem cristallise aujourd'hui autant la lutte palestinienne qu'un symbole de l'islam. Et Raed Salah, donc vraiment le représentant de la branche nord, est devenu une figure phare de ce combat. Autour de ce slogan, la mosquée Al-Aqsa est en danger, qui est devenu véritablement l'hymne du mouvement islamique en Israël, et en particulier de sa branche nord. Donc ils ont créé des structures dédiées à Al-Quds, à la défense d'Al-Aqsa, et qui organisent tous les ans un festival, qui s'appelle le festival Al-Aqsa est en danger et qui se situe, enfin qui est organisé dans la ville d'Oum el-Fahem, donc le fief du mouvement islamique branche nord. En février 2007, Raed Salah a été le chef de file d'un mouvement protestataire qui visait à condamner les travaux israéliens à proximité de la mosquée dans la vieille ville de Jérusalem. Donc il y a eu un large mouvement de dénonciation qui s'est développé partout, pas seulement dans la ville, mais également dans la région, à la suite de fouilles archéologiques qui avaient été entreprises dans le cadre d'une rénovation de la rampe d'accès à une des portes sur l'esplanade des mosquées. Donc voilà, je pense que beaucoup en ont entendu parler.
Ces travaux ont été accusés de fragiliser les fondations sous la mosquée et donc éventuellement de mener à sa destruction. Donc, les fouilles archéologiques ont provoqué de virulentes manifestations dans la ville de Jérusalem, qui ont été soutenues dans le reste de la région, mais également du monde arabe, et également à Gaza, à commencer par Ismaël Haniyeh. Contraint par des mesures de sécurité de se tenir à distance de la vieille ville, du mur des Lamentations et de la mosquée Al-Aqsa, Raed Salah a appelé à l'intifada pour sauver la mosquée. En octobre 2009, il s'est également distingué en menant un soulèvement contre des rumeurs d'occupation de l'esplanade des mosquées par des juifs ultra-orthodoxes. Donc, au même moment, la ville a vécu plusieurs jours de violence entre manifestants et policiers israéliens. Raed Salah a appelé les Palestiniens d'Israël et de Jérusalem à protester pour, je cite, « protéger Al-Aqsa contre toute infiltration d'éléments extrémistes juifs ». Et en conséquence, il fut encore interdit d'accès à l'esplanade pendant plusieurs mois et placé en résidence surveillée. À la suite des événements de 2007, donc autour de ces fouilles archéologiques de la question de la rampe d'accès, il a été inculpé pour incitation au racisme et à la violence. Et il a été condamné en janvier 2010 à 9 mois d'emprisonnement, dont une peine avec sursis. Alors, les peines d'emprisonnement de Raed Salah n'affaiblissent absolument pas le mouvement, bien au contraire. Il avait déjà été emprisonné 26 mois pour conspiration avec l'ennemi, soutien au mouvement terroriste, déplacement illégal et pour sa rencontre avec Ahmed Jibril, donc du FPLP. Il est sorti de prison en 2005 et il a repris immédiatement ses activités politiques, jouissant là d'une légitimité largement renforcée. Donc à chaque arrestation, à chaque coup médiatique, à chaque mobilisation, le mouvement se renforce, renforce son caractère protestataire et son succès au sein de l'opinion publique palestinienne en Israël. Ça a été encore le cas en 2010, lorsqu'il a participé à la flottille, et puis encore plus récemment, lorsqu'il a été expulsé l'année dernière de Londres, où il se trouvait. Alors, derrière Raed Salah, qui est la grande figure du mouvement et qu'on voit partout dans les médias, pas seulement les médias israéliens, médias palestiniens, mais également internationaux, il y a également le numéro 2 du mouvement, Cheikh Kamal Khatib, qui lui aussi jouit d'une grande popularité. C'est lui qui chapeaute l'ensemble des activités de bienfaisance, y compris, par exemple, les associations de femmes. C'est lui qui supervise très localement l'activité du mouvement islamique. Donc, il n'est pas la figure centrale et médiatique du mouvement. C'est le numéro 2. Mais c'est lui qui supervise davantage la logistique et l'organisation. Donc, il est en recul par rapport à Raed Salah. Mais il possède, lui, un pouvoir de décision qui est central. Alors, il faut noter que cette activité du mouvement islamique mais les autres partis arabes en situation de difficulté et qui ont du mal à se positionner face au mouvement islamique. Parce qu'il est très populaire, parce que lui investit la rue pour manifester, parce que lui se mobilise autour des lieux saints alors que les autres partis arabes ne le font pas, et surtout parce que les autres partis arabes, eux, ont accepté de jouer le jeu de la représentation parlementaire. Donc, en général, les partis arabes, à chaque fois, soutiennent Raed Salah dans ses activités. Par exemple, toutes les condamnations du Cher ont été critiquées par la classe politique palestinienne en Israël, qui dénonce des injustices patentes, mais qui s'inquiète aussi de la montée de la grogne populaire chez les Palestiniens d'Israël. Donc aujourd'hui, cette branche nord, surtout du mouvement islamique, est un acteur majeur de la protestation palestinienne en Israël, parce qu'elle est très visible, parce qu'elle est audible. Je l'ai dit parce qu'elle est largement relayée dans la presse, que le mouvement dispose d'un site internet qui est très dynamique, dispose également de journaux, notamment le journal Sot al-Haq ou al-Hurriya. Il refuse le jeu parlementaire, donc il refuse toute soumission aux principes fondateurs de l'État israélien, donc il n'est pas obligé de se justifier, il n'est pas obligé de négocier, il n'est pas obligé de participer. Il joue le jeu du boycott et de la mobilisation extra-parlementaire. Ça, c'est dans l'affichage, parce qu'en réalité, en acceptant de participer à la politique locale et notamment aux municipalités, de facto, il est obligé de rentrer lui aussi dans la négociation avec les autorités israéliennes. Pourquoi je souligne ça? Parce que sur ces 15 dernières années, on a vu la branche nord du mouvement islamique progressivement s'éloigner aussi des municipalités. Et les dernières élections locales qui ont été organisées en octobre 2013, on traduit justement cette prise de distance. Raed Salah a été maire de la ville d'Oum el-Fahem de 1989 à 2001. Et pour la première année,
le mouvement a décidé de ne pas participer aux élections municipales. Donc c'est un électeur, c'est un candidat indépendant qui s'est présenté et qui a été élu. Alors, le mouvement le justifie, lui, comme une logique du boycott et de la participation politique, disant qu'il préfère largement capitaliser et s'investir dans l'action sociale, caritative, travailler par le bas, dans les régions arabes et autour de la ville de Jérusalem. D'autres observateurs y voient aussi peut-être le signe d'une forme de faiblesse politique de cette branche nord qui serait en train de perdre pied politiquement et qui n'arriverait plus à conjuguer à la fois la participation politique qui oblige à négocier avec Israël et la protestation sociale. Et puis certains identifient aussi les mots d'ordre de certains religieux, de certains prédicateurs qui ont demandé au mouvement islamique d'arrêter de participer à des élections qui obligent à des rivalités interne à des tensions entre les différents candidats et qui, à terme, ne mènent qu'à des dissensions et des rivalités au sein du mouvement islamique. La preuve, c'est le cas, puisqu'il y a déjà une scission entre branches sud et nord. Donc, le fait de participer aux élections ne pourrait que diviser davantage le mouvement. Donc, ce mouvement islamique branche nord joue aujourd'hui le jeu d'une mobilisation uniquement axée sur ce qu'on pourrait appeler grossièrement la société civile, et donc au rejet de toute politique conventionnelle. Et le mouvement islamique joue aussi de l'ambiguïté dans son discours sur Jérusalem, qui cristallise à la fois la lutte arabe, musulmane, palestinienne, en défiant la souveraineté israélienne sur ce territoire et la présence israélienne sur Jérusalem. Puisque l'objectif en investissant Jérusalem, c'était de rapprocher les Palestiniens d'Israël de ceux de Jérusalem et également de participer à l'économie de la vieille ville. Donc ça, c'est Raed Salah qui le dit, c'est le cher Kamal Khatib aussi. L'objectif est que les Palestiniens d'Israël aillent plus souvent dans la ville de Jérusalem, aillent plus souvent dans la vieille ville et participent aussi de l'économie de la vieille ville. Et effectivement, depuis plus de 20 ans, le mouvement islamique en Israël organise des voyages, des tours toutes les semaines dans la vieille ville par l'intermédiaire de leur organisation qui est l'organisation Al-Biarik, qui est chargée des tours religieux, en fait, des voyages, et qui sous-traite ensuite à des agences de voyage locales. Donc, ces bus entiers partent 3 fois par semaine. Le but est d'organiser la visite de la mosquée et ensuite de passer du temps pour faire du shopping dans la vieille ville. Donc, lorsqu'on discute dans la vieille ville de Jérusalem, effectivement, beaucoup de commerçants disent que le mouvement islamique leur a apporté beaucoup, puisqu'il a apporté beaucoup de visiteurs de Palestiniens d'Israël qui venaient des régions de Galilée ou du Negev, et que c'est aussi une manne financière pour le commerce de la vieille ville. Alors, outre le volet économique, l'objectif, c'est aussi de revisiter l'historiographie palestinienne et islamique de la ville et de lutter sur le terrain contre les expropriations des Palestiniens à Jérusalem. Donc, là encore, pour ceux qui connaissent la logique d'expropriation israélienne à Jérusalem, est très forte et très active, notamment dans des quartiers comme Sharjara ou Silwan. Le mouvement islamique soutient les habitants, donc soutient les Palestiniens. Il organise, par exemple, des conseils juridiques. Il fait un suivi très régulier des politiques d'implantation et d'expropriation israélienne dans la ville. Mais il participe aussi financièrement à la restauration des maisons et des bâtiments. Le mouvement dispose également des tentes, donc il a disposé une tente à Sharjara, mais il semble ici qu'il se heurte aux organisations, aux militants des associations des droits de l'homme et notamment des associations de gauche, comme les anarchistes pour la paix, qui publicisent mieux que lui la lutte pour la protection des terres des Palestiniens dans cette zone. Donc là, le mouvement islamique entre un peu en concurrence avec ces associations de gauche et de droits de l'homme israélo-palestiniennes. Mais cet investissement sur la ville de Jérusalem, donc il est à la fois social, il est politique, il est économique, il permet au mouvement de marquer sa présence dans la ville. Donc il marque sa présence à la fois dans son opposition à Israël, et donc dans la velléité pour Israël d'en faire sa capitale, et véritablement de peser durablement et de marquer la pérennité d'une présence israélienne à Jérusalem. Mais aussi, dans une certaine mesure, il entre en concurrence avec la présence politique palestinienne et avec l'OLP. Donc cette dernière a très largement souffert de la fermeture des institutions comme la Maison Lorient, la fermeture du ministère des Affaires religieuses aussi, et du bouclage des territoires palestiniens à la suite du déclenchement de la seconde intifada en 2000. Donc le vide qui a été laissé par les institutions palestiniennes qui n'ont plus pu
agir dans la ville de Jérusalem, est aujourd'hui largement occupée par le mouvement islamique israélien. Donc le but, véritablement, c'est de concurrencer l'État d'Israël et, dans une certaine mesure, de concurrencer aussi l'autorité palestinienne, l'OLP, dans sa présence dans la ville de Jérusalem. Donc, l'objectif à terme, c'est de maîtriser la ville et d'en devenir un acteur politique majeur. Tirer son épingle du jeu entre Israël et l'autorité palestinienne. Et je dirais même que plus largement, il bénéficie aussi des luttes entre les instances des WAQF, les Palestiniens et les Jordaniens aussi sur la gouvernance d'Al-Aqsa. Donc voilà la stratégie du mouvement islamique israélien à Jérusalem entre les différents acteurs qui voudraient être les seuls interlocuteurs légitimes et représentatifs de la ville. Alors, quelle est la réponse qui a été apportée par les autorités israéliennes et par Israël face à cette activité islamique? La première stratégie a été celle de l'encadrement. Israël a toujours préféré encadrer le mouvement islamique plutôt que simplement l'interdire. Donc, l'encadrer, le surveiller plutôt que l'interdire. Donc, Israël autorise le fonctionnement des organisations du mouvement islamique, les ferme quand il y a nécessité, les laisse rouvrir. À d'autres moments, l'État israélien, donc les services de sécurité et de renseignement israéliens, surveillent étroitement les activités à Oum el-Fahem et dans les différentes villes palestiniennes, a recours à des arrestations, à des fermetures quand il le faut, par exemple l'arrestation de Raed Salah entre 2004 et 2007, la fermeture du journal en 2002, la fermeture de l'association Al-Aqsa en 2008. Israël contrôle aussi les différents mouvements, donc, puisque par exemple Raed Salah est interdit de circulation près de la vieille ville. Israël essaie de suivre aussi et de contrôler le financement de ce mouvement islamique et les liens avec les autres groupes islamiques à l'extérieur et notamment avec le Hamas. La deuxième stratégie qu'on peut identifier des Israéliens a été celle de la division. Là encore, plutôt que d'interdire, les autorités israéliennes laissent agir le mouvement islamique à Jérusalem en ayant très certainement conscience qu'il entre en concurrence, voire que ce mouvement évince aussi les légitimités palestiniennes et jordaniennes sur les lieux saints. Donc une des conséquences est aussi la croissance du religieux dans la ville, qui est observée très largement et par tous, et également l'émergence de groupes islamiques concurrents, qu'on a vu émerger comme Hal al-Quran ou Hizb al-Tahrir aussi. Alors, quelle est la relation maintenant entre ce mouvement islamique en Israël et dans les territoires palestiniens? Il y a d'abord le volet caritatif. Donc, il y a des organisations d'aide aux orphelins palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, l'envoi d'argent, de fournitures scolaires, donc tout le registre de la bienfaisance à destination des territoires occupés, également une activité pendant Ramadan. Et puis, la question des relations avec le Hamas. Donc là, c'est une question qui est beaucoup plus sensible, qui est bien maîtrisé par le mouvement islamique en Israël, puisque les relations entre le mouvement islamique israélien et le Hamas, c'est un point d'inquiétude majeur pour les autorités israéliennes. Et là encore, le mouvement islamique aussi entre proximité idéologique et politique avec le Hamas et une distanciation formelle et structurelle. Donc ne pas être trop proche pour ne pas risquer l'interdiction, mais rester quand même dans une forme de solidarité et de fraternité avec le Hamas. En 2008, par exemple, la police israélienne a fermé les bureaux de l'Institut Al-Aqsa, qui se trouvait à Oum el-Fahem. Le 24 août, la police israélienne est entrée dans la ville, a fermé l'organisation et a officiellement saisi des preuves de sa collaboration avec le Hamas. L'Institut a été accusé de fonctionner sans autorisation légale. Il a également été accusé d'entretenir des liens logistiques et financiers avec l'organisation de Dawa du Hamas et d'être financé par la coalition de la charité, donc fondée par le Hamas pour drainer les fonds internationaux. L'organisation a également été accusée de financer le terrorisme islamique dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Donc, de son côté, le mouvement islamique a été soutenu par tous les autres partis arabes d'Israël et par bon nombre aussi d'associations arabes de droits de l'homme. Il a dénoncé la réaction des autorités dans la saisie de tous les documents. 4 jours seulement après l'opération policière, donc dès le 28 août, le mouvement islamique a rouvert un nouvel institut Al-Aqsa pour les lieux saints.
Donc, il y a une très bonne adaptation aussi de ce mouvement islamique qui connaît très bien les autorités israéliennes. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est une forme de mobilisation qui est proprement israélienne avec une génération qui est née en Israël, donc qui parle hébreu, qui a étudié dans les universités israéliennes pour beaucoup de ses leaders, même si certains ont ensuite également étudié dans les universités de Cisjordanie en études religieuses et d'islam, mais ils sont le pur produit aussi de cette société israélienne, de ces universités israéliennes. Donc ils en connaissent aussi les rouages politiques, juridiques, et lorsqu'il s'agit d'être défendus, ils sont défendus par des avocats qui ne sont pas forcément des avocats islamiques, qui sont les avocats nationalistes des associations des droits de l'homme arabes qui ont pignon sur rue et qui sont connus en Israël comme l'association Adala. Donc, ils maîtrisent très bien les rouages du système politique et juridique israélien. Donc, cette relation avec le Hamas, elle est évidente. Elle n'est pas qu'idéologique, elle n'est pas que politique. Il y a des rencontres aussi entre les militants. Mais en même temps, les deux mouvements restent dans leur ancrage territorial. Et pour le coup, le mouvement islamique israélien reste aussi circonscrit dans le territoire israélien, tout en jouant, donc je l'ai dit, de sa présence à Jérusalem. Alors la question, pour faire un petit peu écho aux questions qui ont été posées ce matin et cet après-midi sur l'impact en fait des reconfigurations régionales et notamment des révoltes arabes sur les frères musulmans et sur le mouvement islamique en Israël. Alors disons qu'il y a eu deux phases qui sont largement observées même ailleurs. Il y a eu la première phase à partir donc de 2011, une phase d'optimisme sur cet effet domino. L'idée d'une vague verte qui partirait du Maghreb au Mashrek et qui pourrait profiter aussi aux islamistes palestiniens, y compris en Israël. Et donc là, il y a un exemple qui est marquant en 2011, c'est que dans la veine de ce qui se passait aussi dans les débats et des accords du Caire sur la réconciliation interpalestinienne entre Fatah et Hamas, le mouvement islamique en Israël a entrepris des discussions pour rapprocher les deux branches, la branche sud et la branche nord, avec toute une rhétorique aussi autour de la réconciliation entre islamistes palestiniens en Israël. Donc ça correspondait au succès de cet islam politique dans la région, dans le contexte des révoltes arabes, en particulier en Égypte. Donc galvanisés par ce succès des frères, les islamistes se sont dit que c'était le bon moment pour se rapprocher et pour renforcer le mouvement. Bon, en réalité, à l'instar de ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza, les deux branches n'ont toujours pas réussi le rapprochement et la réunification. La deuxième phase, c'est celle juste de la prudence, de l'attentisme, vu les logiques contre-révolutionnaires à l'œuvre, notamment en Égypte, le coup qui est subi aujourd'hui par le Hamas à Gaza. Le mouvement islamique israélien opte pour la même stratégie, celle de l'attentisme, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on sait faire, jouer du social, du caritatif, continuer à faire ses activités à Jérusalem, en attendant éventuellement des horizons meilleurs et en voyant ce qui va se passer dans la région. Ce qui va se passer pas seulement en Égypte pour le Hamas, mais ce qui va se passer aussi en Syrie, ce qui pourrait aussi se passer dans d'autres États comme la Jordanie. Donc de ce point de vue-là, le mouvement islamique en Israël était resté très prudent au début des révoltes arabes. Donc il avait accueilli avec très grande satisfaction ce qui était en train de se passer, mais en même temps, il ne s'était pas mis en danger non plus face à l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, il continue à suivre tranquillement ce qui se passe dans la région et à poursuivre ses activités. Mais ce qui se passe en Égypte fait débat au sein du mouvement islamique. Et le dernier festival Al-Aqsa est en danger, qui a été organisé le 20 septembre 2013 à Oum El Fahem, a été exclusivement centré sur la question égyptienne. Donc le festival a réuni 30 000 personnes dans la ville et a été uniquement consacré à la question de l'arrestation de Morsi et au sort des frères musulmans en Égypte. Donc évidemment, le discours, il est assez clair. Donc c'est une critique de l'armée égyptienne. Tout ça articulé aussi à une critique de l'État israélien où les intérêts des militaires égyptiens et de Sisi seraient coordination totale avec les intérêts d'Israël. Alors pour autant, les marges de manœuvre de ce mouvement islamique en Israël se limitent à des discours, à des actions de solidarité, mais pas à des manifestations et surtout pas de manifestations subversives ou politiques. Sur la question syrienne, je dirais que là encore, c'est la prudence
qui est de mise au sein du mouvement islamique. Mais bon, c'est ce qui a été dit cet après-midi, c'est ce qui est observable dans l'ensemble des mouvements de la région, que ce soit les mouvements nationalistes ou les mouvements islamiques. Il y a un mutisme total sur le contexte syrien. Ça vaut pour les partis de gauche qui étaient très mal à l'aise avec ce qui se passait et avec leur positionnement qui était traditionnellement pro-Bachar et donc pro-régime. Et ça vaut aussi pour le mouvement islamique en Israël qui s'exprime peu sur la question syrienne. Alors, pour conclure, je dirais que le programme politique de ce mouvement islamique ne mentionne pas de revendication en faveur de l'avènement d'un grand État islamique, en tout cas pas publiquement. Donc là, pour le coup, c'est ce qu'on observe aussi ailleurs. Il reste dans un consensus arabe-palestinien sur la défense des droits des Palestiniens israéliens. C'est là et justement la marque de ce mouvement islamo-nationaliste localisé en Israël. La prise du pouvoir politique pour changer à la fois le contrat social, pour changer la nature du régime politique du pays, semble totalement irréaliste pour le mouvement islamique. Donc ce n'est absolument pas une priorité. C'est de toute façon hors de portée pour un mouvement qui ne représente qu'une minorité, une minorité dans un État à majorité juif. Donc l'objectif n'est pas ni à court terme ni à moyen terme le pouvoir national, mais plutôt l'ancrage politique local au sein des Palestiniens d'Israël et de Jérusalem pour mieux conduire la résistance islamique palestinienne contre Israël à plus long terme. Et le principal défi se pose, à mon sens, pour les autres forces politiques arabes palestiniennes en Israël, qui, elles, sont mises en concurrence avec le mouvement islamique parce qu'elles perdent pied progressivement par rapport à ce mouvement qui est très actif, très investi. Ces forces-là, elles, acceptent, je l'ai dit, de participer au jeu politique national. Or, plus de 50% des Palestiniens d'Israël ne votent plus pour les élections nationales. Donc, participer à ce jeu politique participe aussi de leur discrédit. Quelque part, discrédité parce que ces partis arabes à la Knesset n'ont pas de poids, n'ont pas d'influence, ne participent pas aux coalitions gouvernementales. Donc il y a effectivement une logique d'opposition, mais qui n'a pas d'impact politique direct. Et par ailleurs, ces autres partis arabes n'ont pas l'ancrage local, n'ont pas l'ancrage social des islamistes dans certaines régions en Israël. Et je repense encore ici à la région du Triangle, mais aussi à la question du Negev, de la population bédouine du Negev, qui est aujourd'hui, elle, très largement en faveur de ce mouvement islamique.